Bonjour. Ma France a emporté is a takeaway version of ma France, an aide-mémoire to brush up that rusty French. Today, booking a gîte. This comes in four parts. Making a choice. Booking by phone. Welcome tour. And what's on. There are loads of places to stay in France, ranging from château to chalet. Celui-ci, this one. Celui-là, that one. Celui pour 10 personnes, this one for 10 people. Il coûte combien? How much is it? Can you hear from what date they want to reserve the gîte? En un clic, il est facile de réserver un gîte. Nathalie et Fred Martin préparent une semaine de vacances avec des amis dans les Alpes. Ah, celui-ci, non. Non, il me plaît pas celui-là, non. Celui-là... Ah, attends, regarde, celui-ci. Ouais, il est joli, mais il est pas très grand. Bon, alors attends, je regarde. Ah, bah celui-là, à Saint-Jean-de-Sixte. Celui pour 10 personnes? Oui. Ouais, il a l'air pas mal. Il coûte combien? Alors, je regarde... Il est à 610 € la semaine. 610 € la semaine? Pour 10 personnes, c'est pas cher. C'est un bon prix. On réserve tout de suite? Pour le week-end du 11? Oui, c'est mieux. Ok, je téléphone tout de suite. Did you get that? Le week-end du 11. They wanted to reserve the gîte from the weekend of the 11th. Before committing yourself, you might well have some questions about the gîte. Est-ce qu'il est disponible pour... Is it available for... Il est près des pistes? Is it near the ski slopes? How far is the gîte from the ski slopes? Bonjour, on a vu votre gîte sur internet. Est-ce qu'il est disponible pour le week-end du 11? Bonjour, attendez, je regarde. Oui, pas de problème, il est disponible le week-end du 11 et toute la semaine. Il est près des pistes? Oui, les pistes sont à 100 mètres du chalet, mais ce sont des pistes pour débutants. Et vous prenez des arts et une caution? La caution est de 230 € et les arts de 150 €. Vous voulez réserver? Oui, s'il vous plaît. Mon nom est Nathalie Martin et je vous envoie le chèque d'art par la poste dès demain. Merci et à bientôt. Parfait, à très bientôt. Super. Did you hear the answer? How far is the gîte from the ski slopes? It was 100 mètres, 100 meters. Here are some things you may hear or need to say when you're shown around the gîte. Je vais vous faire visiter. I'll show you around. Vous avez tout ce qu'il faut. You have everything you need. Il y a une supérette près d'ici. Is there a mini market near here? On peut y aller à pied. Can we go there on foot? Nathalie and Fred also want to know if there's a cash machine in the village. How do they ask that? Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Bonjour, madame. Avez-vous Bonjour, fait madame. Bon voyage? Ah oui, un très bon voyage, oui. Bienvenue au Villon. Merci. Et vos amis arrivent dans l'après-midi, je crois. Voilà, ils arrivent voilà. Cet après-midi. Très bien. Eh bien, on va visiter le gîte. Oui. Alors voilà, je vais vous faire visiter. Bien. Entrez. Voilà. C'est joli. Hein? Donc vous avez tout ce qu'il faut. Le frigo, congélateur, micro-ondes, le four. Four qui est électrique et la cuisinière gaz.
chaise, il y a une bouteille qu'on ferme par sécurité pour les enfants. D'accord. Voilà. Ici, vous avez les réchauds à fondue, si vous voulez faire de la fondue. Hein. Vous connaissez la fondue fromage? Oui. Voilà, des petits pots de confiture fait maison. C'est gentil. C'est gentil. Voilà. Et autrement, il y a la salle de séjour. Oui. Alors voilà, le salon, qui était une ancienne écurie dans laquelle il y avait les vaches. Donc dans la crèche, vous pouvez mettre vos chaussures de ski. Et il y a une supérette près d'ici? Bien sûr, au village, à côté de l'église. Et un distributeur de billets? Bien sûr, à la poste, qui se trouve entre l'église et l'office du tourisme. Et on peut y aller à pied? C'est pas très loin, 1 kilomètre environ, donc 15 minutes. D'accord. Voilà, donc il y a une cheminée avec le coffre à bois pour la semaine. Is there a cash machine? Il y a un distributeur de billets. You may also want to find out what's happening in the resort you're staying in. Il y a des choses à faire le soir. Are there things to do in the evening? Il y a beaucoup d'animations. There are a lot of activities. Il y a les spectacles. There are shows. Il y a les boîtes de nuit. There are clubs. Finally, where do Madame Billard and her husband stay for their holidays? Agit? Il y a des choses à faire le soir? Ah, il y a pas mal d'animations, surtout en période de vacances scolaires. L'été, il y a beaucoup d'animations au village avec des repas organisés pour les touristes et les gens du village aussi. Il y a les boîtes de nuit, évidemment, les restaurants. Autrement, il y a des spectacles, il y a des pots d'accueil, il y a des petites choses comme ça, en fait, oui. Alors, Madame Billard, vous, quand vous partez en vacances, est-ce que vous allez aussi en gîte? En général, non, mais on va peut-être s'y mettre avec l'âge, parce qu'avant, nous partions très loin de la France en avion. Donc, nous aimons beaucoup les gîtes, c'est sûr. Did you get that? She said, en général, non, mais on va peut-être s'y mettre avec l'âge. Generally, no. But we may perhaps start to, as we get older. That's it for now. À la prochaine. Don't forget, there's plenty more in our series of Ma France downloads, so make sure to subscribe to them all. And if you want more French, or a taster of many other languages, make sure to log on to bbc.co.uk/languages.